Notre organisation concernant les checks, elle se déroule en, on va dire, en deux phases. Une phase le soir, à la fermeture du parc, où là on fait un contrôle des trains en eux-mêmes, donc uniquement les trains. La partie piste, elle, est contrôlée le matin. Donc elle intègre tous les contrôles visuels, les parties mécaniques, etc. Ce qu'on appelle les daily tests, c'est-à-dire un contrôle journalier de tous les organes d'arrêt ou d'arrêt d'urgence et de sécurité. Donc voilà, deux phases. Une partie le soir, les trains, une partie matin, la piste. La partie du matin inclut aussi le dynamique, c'est-à-dire la sortie des trains, la mise en piste et le cyclage des trains. La mise sous tension de la traction, en fait, ce sont des organes de conciliation qui sont cadenassés, verrouillés. Donc toute une liste d'éléments à contrôler. Dans cette liste, on trouve tout ce qui est arrêt d'urgence, tout ce qui est commande d'arrêt d'organes, arrêt complet du circuit, arrêt du lift. Oui, reçu. Donc tous les arrêts d'urgence. On va trouver aussi les contrôles de niveau. Ce sont des sondes de niveau dans tous les tunnels, toutes les parties basses du parcours, pour éviter l'accumulation d'eau, surveiller l'accumulation d'eau, qui pourrait ensuite, au niveau du gabarit, être attrapée par les gens. Chaque organe qui est validé, donc il doit physiquement être actionné pour passer le pavé en bleu, qui là valide l'opération. Lorsque toutes les opérations sont validées, à ce moment-là, on valide les daily tests dans leur ensemble et on autorise l'exploitation pendant 18 heures. Toutes les 18 heures, toutes ces opérations doivent être refaites systématiquement. Chez nous, c'est tous les matins. Je suis Benoît Sprit, je suis directeur de projet de coordination artistique. Donc je suis SCDA depuis 2005, donc j'ai mené différents projets sur les parcs, notamment parc Astérix, où j'ai été commencé par le défi de César. On est donc dans une structure qui s'appelle CDA Développement, donc on est neuf, principalement dans des concept designers et des chefs de projet, des ingénieurs de projet. On cherchait, on l'avait fait déjà avec le défi de César, c'est recentrer le développement du parc au travers de la BD. Donc, le thème égyptien est venu assez naturellement, puisque par rapport où on a fait des sondages, des enquêtes, et c'est vrai que l'Égypte ressortait assez fort par rapport au thème préféré des Astérix. Donc il y a eu un gap de 4 ans entre le Transdémodium et le défi de César. Et on sait que le défi de César, qui était une attraction vraiment cible familiale, et donc Osiris, il fallait qu'on puisse investir et marquer le coup, vraiment donc changer de braquet avec une attraction qui soit très capacitaire, très attractive, très impressionnante. Donc il fallait qu'on ait vraiment un investissement majeur. Et c'est vrai qu'on a travaillé aussi à l'époque avec, pour bien définir les cibles, donc avec les équipes marketing du parc, pour définir exactement quel est le type d'attraction par rapport à la cible recherchée. Et donc là, pareil, naturellement, par rapport aux coasters existants, il fallait quelque chose d'assez fort, qui corresponde à la cible des ados. Donc quelque chose qui puisse être au niveau de Tonnerre de Zeus, voire plus, et ce qui a été le cas, du coup, en déployant Osiris. Donc voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les sondes de contrôle de présence d'eau. Enfin, en l'occurrence d'absence d'eau. Ça, vous imaginez que le train, lorsqu'il arrive, au niveau des points bas, donc trois points bas, le tunnel du Trim, le tunnel principal qui est face à la gare, et là, ici, ce qu'on appelle le point photo. Donc, le train, lorsqu'il arrive en point bas, les jambes, bien sûr, sont dans un gabarit de sécurité, mais ça, c'est dans le cas où il n'y a pas d'eau. Donc, on surveille l'absence d'eau par un système de sondes de niveau qui se trouve ici, qui font partie des contrôles journaliers des daily tests. Donc, on actionne les sondes pour s'assurer qu'elles fonctionnent. Si on a une discordance entre les deux, une qui dit qu'il y a de l'eau, l'autre qui à l'inverse dit qu'il n'y en a pas, on bloque la traction. Il y a une défaillance. Voilà. Et ça, c'est le même principe sur les trois tunnels. Il y a un organe de sécurité à l'arrêt d'urgence qui est situé tout en haut du lift. Donc, systématiquement, tous les matins, obligation de monter en haut du lift. Contrôle tout le long du lift
de ce qu'on appelle la crémaillère à tiers-tour, hein, qui est une sécurité aussi pour le train, une sécurité mécanique. Donc tous les matins, la piste gymnastique, des quelques 300 marches pour monter le lift. C'est vrai que l'invertide, par la nature du type de coaster, c'est quelque chose qui a retenu notre attention. Donc on a visité également avec un launch coaster, qu'on n'avait pas à l'époque, et qu'on n'a toujours pas au parc d'ailleurs. Après, il y avait le flying, donc on a fait pas mal de tests de coaster, entre donc le flying, l'inverted coaster. On est allé tester, donc Alton Tower, on a fait tous les coasters d'ailleurs. Ce qui m'a valu d'être un peu malade, parce que je ne suis pas forcément un spécialiste des coasters. Donc j'ai découvert ce monde-là et toutes les sensations que ça offre. Et il y a eu un échange avec B&M sur la proposition. Donc une première proposition qui correspondait à notre implantation, à nos contraintes de terrain au niveau de la zone. Donc on avait défini effectivement la file d'attente, l'accès, et après toute la zone où pouvait se dérouler le parcours. Donc ils ont fait une proposition, on est OK, c'est pas mal, donc on a retenu quelques figures, on a dit non, on voudrait autre chose. Et donc il y a eu une espèce de jeu de ping-pong entre eux et nous pour aboutir au parcours qu'on a mis en place. Alors, on a une contrainte de 45 mètres, c'est 47 mètres exactement qu'on ne peut pas dépasser par rapport au problème de proximité de l'aéroport. On a cherché, on a fait des tests aussi, parce qu'on voulait que l'attraction soit vue, donc soit vue de l'autoroute. Donc ça, c'était un critère qui était important pour nous. Et donc, on a hésité entre 40 et 45 mètres. Et après, pour des questions de budget, de contraintes, etc., on est resté à 40 mètres. Donc le haut du lift est à 40 mètres. Et donc, on a fait une série de tests pour être sûr que l'attraction se voit bien avant. Et donc, on était sûr de notre coup. Donc le contrôle journalier des trains se fait plus le soir ou la nuit. Donc la partie basse, on va trouver les harnais avec les poignées, l'état des assises, les ceintures, la fixation, donc les fixations des ceintures, leur état général, la viabilité du verrouillage, tout le système de déverrouillage, donc ce qu'on appelle la tringle de déverrouillage, qui va être manœuvrée par une roulette en gare. On avait vu les petits sabots qui viennent actionner. Ça libère les boîtes à cliquer et ça autorise l'ouverture des harnais. Et là derrière, on a ce qu'on appelle les boîtes à cliquer. Boîte à cliquer, c'est une cam avec 8 paires de cliquets. Et ils vont manœuvrer les uns après les autres pour venir verrouiller la position du harnais. Pour autoriser ou pour considérer qu'un harnais est fermé, il faudra aller chercher la troisième paire de cliquets. Seulement à partir de là, on occultera le capteur, on considérera que le harnais est fermé. Voilà, on a des porte-roues équipées de roues porteuses, roues latérales, roues de retenue. Ça, rien de nouveau chez vous. C'est-à-dire que le train vient se poser sur des rails, là, ce qui permet de le surélever et de pouvoir avoir un angle de pivot sur le porte-roues pour pouvoir contrôler les roues une à une. Donc les contrôles qui sont faits sur ces roues sont d'une part l'état de surface, les décollements, à la base de la jante talus.
régulièrement passer roues au gabarit pour aussi suivre leur degré d'usure. Et la même chose sur les roues de retenue latérale. Surveillance de l'état, absence de décollement. Donc les diamètres de roues latérales et de retenue sont les mêmes. C'est-à-dire une roue de retenue peut être montée en latérale ou vice-versa. Si on n'a pas eu de pluie pendant longtemps et que la piste est sèche, on va huiler les bandages au niveau de la bande de roulement, ce qui va favoriser son cyclage. Par contre, par temps de pluie, on va huiler que partiellement, peut-être un ou deux wagons. Oui, parce que la pluie ou la rosée qui va sur la piste va être un accélérateur naturel du train. Donc l'investissement global de la zone de l'attraction était de 21 millions d'euros. Et globalement, l'attraction sortie d'usine, Ex-Works, était à 9,8 millions. Donc globalement, on représentait quasiment un 50% de l'enveloppe. Et après, entre la partie gros œuvres, aménagement, tout ce qui est VRD, qui représente c'est né pour 6 ou 7 millions, et 2 millions de décorations. Et après, il y avait aussi, on a déplacé le petit coaster. Donc là aussi, il y avait une enveloppe pour, pas le refaire, mais le rethématiser dans le jus égyptien. L'amortissement, on est sur entre 20 et 25 ans. En fait, on va répartir différemment en fonction de tout ce qui est structure, tout ce qui est VRD, qui peut être amorti jusqu'à 30 ans. Et là, après, bon, il y a des règles comptables, donc ça, ce n'est pas trop mon domaine. Mais effectivement, l'amortissement se fait entre 20, 25, 30 ans en fonction des éléments. C'est-à-dire que tout le projet ne va pas être amorti sur la même durée. Alors la zone de freinage principale, elle est équipée en premier temps d'un frein magnétique qui va ralentir le train à son arrivée et qui va vraiment lui casser sa vitesse pour éviter de solliciter les freins mécaniques. Chez nous, c'est le premier coaster qui est équipé avec ce type de frein. Donc pas compliqué, un deuxième en polarité inversée. Et puis le principe du plus je vais vite et plus je freine. Voilà. Les trains sont freinés fortement par le frein magnétique et ensuite il reprend un peu de vitesse en descendant là. Donc avant de s'engager sur la table de transfert, là, régulièrement, il le freine bien pour éviter qu'il passe trop vite sur la table de transfert. Deuxième chose, c'est lorsqu'on va commencer à arriver. Vous voyez là, les logements des vis. Lorsque là, on va arriver sur les têtes de vis, là, forcément, on risque d'endommager les garnitures qui sont sur la poutre du train. Lorsqu'on arrive à ces têtes de vis, en fait, on arrive à l'usure max de la garniture. La fréquence, on va dire, sur une saison complète, incluant Halloween, on va dire deux remplacements de jeux de garniture. Ces freins sont actionnés par des vérins pneumatiques qui sont en sécurité positive, c'est-à-dire manque d'air, frein systématiquement fermé. Donc s'il y a un incident sur le circuit d'air, un tuyau qui lâche, le compresseur qui est arrêté, le train va venir se planter dans les freins et il n'y a plus rien qui bougera tant qu'on n'aura pas rétabli la pression pour manipuler les freins. C'est vrai qu'avec, on a une grosse machine, mais qui est très fiable. Et en fait, on a peu de maintenance. Si on compare les coûts de maintenance par rapport à ce type de machine, par rapport à d'autres machines, on est inférieur par rapport à d'autres sujets. C'est les pièces d'usure qu'on change régulièrement, mais il n'y a pas eu de gros soucis majeurs sur cette attraction. Et c'est vrai que B&M, on les surnomme souvent la Rolls-Royce des coasters, ça se vérifie. Le choix du nombre de trains, c'est pas notre fait. Ce sont les prévisions qui sont établies par les attractions. Et en fait, des prévisions de fréquentation, ils vont nous demander 1, 2, 3 trains. Il y a des seuils déclencheurs. De 3000 à 12000, au-delà de 12000, etc. Aujourd'hui, on part sur une fréquentation estimée à 15000, donc on part sur deux trains. Nous, on a une demande de véhicule, un tableau, une demande de véhicule qui nous est adressée, et on essaye de s'y coller au mieux. Et donc là, on a bien la validation pour l'autorisation de sortie de train. Ok, Zach, tu peux me donner le transfert. Attention à la mise en place des trains sur Osiris. Attention à la mise en place des trains immédiate. Attention. Donc là, j'ai mon collègue qui m'a donné l'autorisation de transfert. Donc on entend le signal sonore qui me dit que le transfert est actif. Donc je sélectionne ma piste. Tout est automatique. Ma table va aller se positionner en voie 1. Là, il va falloir que je valide la cohérence de mon choix par rapport à l'automatisme. Donc il faut que j'aille valider le choix de la zone 1. Donc chaque voie de stockage
à son propre bouton de validation. Là, j'ai sélectionné la voie 1, donc il va vérifier la cohérence de ce que j'ai demandé. J'ai sélectionné la voie 1, j'ai déplacé ma table, elle est bien en voie 1. Je veux bien prendre le train 1, donc je vais valider définitivement mon choix. S'il y a une discordance dans cette manipulation, il interdira le déplacement du train et de par son automatisme, il dira il y a un truc qui ne va pas, je ne fais rien bouger. Une fois que le train est en place, j'ai deux possibilités. C'est soit je me dis non, finalement, je ne vais pas prendre ce train, je peux le rentrer à nouveau. Ou alors je viens me resélectionner sur piste, je redéplace la table et je vais l'amener là sur le parcours. Le temps de cycle du train est directement lié aux conditions météo, surtout au froid. C'est-à-dire plus on fait, il va faire froid et plus le train va être lent sur le parcours. Donc on a des temps de cycle standard à 56 secondes, et au fur et à mesure que la température va baisser, au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'automne et dans l'hiver, on va avoir des seuils d'alerte qui vont être des montées de temps de cycle, 58 secondes, 60 secondes. Donc on va commencer à équiper nos trains avec des roues nylon qui vont accélérer le train dans son cycle. Un bogie de roues nylon sur un train, c'est-à-dire une rangée équipée en roues nylon, on va gagner à peu près 2 secondes au tour. C'est-à-dire, lorsqu'on va commencer à atteindre les 60 secondes de temps de cycle, on va équiper un bogie, ça va nous permettre de revenir aux environs de 58 secondes. Et on va pouvoir équiper un, puis deux, puis trois bogies. Configuration hiver, avec les grands froids, on va être équipé à 3 bogies par train, sur les 8. Ça va nous faire gagner 6 secondes sur le temps de cycle. Oui, il y a eu un très bon impact, très bon retour sur les visiteurs, parce qu'effectivement, c'était assez attendu. Donc d'avoir ce type de coaster au parc qui avait un peu cette réputation auparavant d'avoir effectivement des grosses machines. Donc là, ça revenait un peu dans cet esprit-là. Donc ça a bien plu. Maintenant, ça, sur les deux années, c'est-à-dire que la première année, ça n'a pas forcément eu l'impact sur la fréquentation, mais sur la deuxième année, oui. Point de vigilance, c'est toujours l'expérience visiteur. Donc effectivement, on a des parcs de différentes tailles, différentes capacités. Quel que soit l'investissement, il faut qu'on réponde au mieux à la demande et donc à la satisfaction visiteur qu'on mesure constamment pour être sûr de vraiment avoir la meilleure qualité qu'on puisse offrir. Chers visiteurs, bonjour les deux.
une seule personne par rangée pour déposer ça qui est fait personnel dans les placards privés à cet effet. C'est vrai que là, on va faire évoluer la fréquentation, donc il faut qu'on fasse évoluer la capacité du parc, et donc on a besoin d'attractions à grosse capacité. Donc et comme Osiris, on l'avait fait, on avait une capacité de 1300, 1400 pratiques, et on sait qu'on veut aussi une attraction majeure, donc ça va passer par un gros coaster, effectivement. Encore une fois, j'aime bien les sensations, mais je suis un peu sensible, donc je le fais une fois. Je ne vais pas faire deux fois de suite.